Et bonsoir tout le monde, bonsoir, bonsoir, ici Jay, bienvenue, vous êtes sur Ivasan Studio. Ivasan Studio, c'est une petite association de radio, de gaming et de plein de choses autour du domaine socio-professionnel. En gros, hein, si vous voulez plus d'infos, c'est dans les panels, en bio, partout, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Ce soir, normalement, touchons du bois, c'est le dernier stream de Super Monkey Ball Banana Blitz HD sur Switch. J'espère, c'est le monde 10. Et je croise les doigts pour qu'il n'y ait rien après parce que le jeu est quand même frustrant, très frustrant. On va croiser les doigts. Je retourne donc sur Super Monkey Ball avec Sonic et il fallait partir dans le monde 10 qui se nomme Paradis Suprême. Je vais supposer que ça n'a rien d'un paradis, c'est quand même le monde 10. Suspense. Bon, je vais pas vous réexpliquer le principe du jeu, ni la licence. Ça fait un moment qu'on y est maintenant dessus. Trop longtemps même. J'ai explosé la durée de vie moyenne du jeu. Il est temps d'avancer. On croise les doigts. Oh là. Ah non, bah j'y ai cru. Ah non, c'était le poteau. Poteau! C'est pas grave. Il est bizarre ce niveau quand même. Hop là. Hop là. Raté, entre les deux, dans le vide. Des structures comme ça, un peu dans les nuages, un peu mythologie élyséenne. Ça me fait penser à Bastion dans World of Warcraft. Oh là. J'ai tenté un truc qu'il fallait pas faire, je pense. C'est un échec. Un échec total. Il y a 10 niveaux à faire hein, au total. Dont un bonus. Le bonus devrait aller, le reste, c'est pas sûr. Ça tourne. Oh punaise, ça tourne. Ça a tourné. C'est pas grave. Je sais pas si Sonic est le meilleur personnage niveau caractéristique pour ce niveau, enfin ce monde en tout cas. Enfin, déjà ce niveau. On va voir. Non, oui. Oh là. Oh non, à côté. Ah c'est dommage ça. Je vais jusqu'à l'avant-dernier je crois. L'avant-dernier toboggan, on va appeler ça un toboggan. Ouais, j'allais dire arche, mais ça fait plus toboggan quand même. Hein. Hop, oh, bah, d'accord, j'ai même pas sauté là, super. C'est pas grave. Je n'ai point sauté. Allez. Tac. Hop. Ah oui, d'accord. Ok. Là, j'ai même pas passé la plateforme de départ. C'est donc jeté dans le vide. Une envie soudaine. Allez, ça peut le faire. Ça peut peut-être le faire, soit oui. Oula, le petit rattrapage. Ça tourne. Ah non! En fait, ça tourne un coup sur la droite et juste après un coup sur la gauche. C'est vicieux. Hein. Hop là. Au centre, toboggan, et de 2, 3, 4, et 4 ratés, on va reprendre un peu d'élan si on arrive, et, ah, et non, faux espoir, c'est un faux espoir, tac, tac, lolo, allez. Ah, peut-être. Oui, peut-être. Peut-être. Ok, on est obligé de reprendre l'élan. Non, ben oui, oui, il fait aucun contrôle caméra, donc forcément. Forcément, ça n'aide pas. Zut. Allez.
Oula, 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 oula. Il y a eu un rebond. Et le rebond m'a fait peur et j'aurais peut-être pu me rattraper. Mais bon, j'espère qu'on va pas y être jusqu'à 5h du matin hein, sur ce monde. Oh non! Encore? Et voilà à côté. Génial! Oh, attendez. J'ai mon retour sur le petit ordi. Il vient à peine de s'allumer. Parce que le petit ordi, si nommé Robert Junior, a décidé de se mettre à jour juste avant de prendre le stream. Et du coup, il vient à peine de redémarrer. La voix. La voix. On y croit. Oui. Et non, on y croit un peu moins là. En même temps, une fois que la chute est lancée, on va pas y croire beaucoup, hein. Peut-être que je prenne un autre personnage, mais vraiment. Même si Sonic me paraît quand même équilibré. Sur ce type, en tout cas de niveau raté. Oula, oui, oui, peut-être. Ah non. Oh non. Oh, il y a peut-être un moyen de skip le dernier toboggan, mais c'est pas... peut-être pas conseillé, à mon avis. Hop là. Hop là. Raté. Mec, il est lent. Non, c'est quoi ce rebond, là? Le rebond qui m'a tué. Et non, peut-être pas. Oh là, oui. Intéressant. Oh, oh, non. C'est quoi ce rebond de fin? C'est nul. Quelle arnaque. Remboursé. Oh. Allez. On y croit. On y croit. Ah. Punaise. Non! Oh! Trop dur pour moi ce genre de jeu. Ça y est, j'ai mon chat affiché. Je ne suis plus assez réactif pour voir un 3D. Ah, mais c'est pareil. Je sais que quand j'étais plus jeune, j'adorais ce type de jeu. Mais j'adorais ça. Et avec l'âge, je me rends compte de. Je me dis, mais j'avais des goûts vraiment, mais étranges. Pour moi, je me souvenais de Super Monkey Ball. Vous souvenez de loin, hein, en comme étant un petit jeu sympa, familial, limite cartoon. Alors oui, mais c'est surtout un jeu d'arcade à la base quand même. Hein. Et les jeux d'arcade sont réputés pour leur challenge. C'est comme, sans parler d'arcade, Crash Bandicoot premier du nom il y a quelques semaines en stream, que j'avais hyper bien fait. Crois me souvenir quand j'étais vraiment plus jeune sur la PlayStation 1, donc à des graphismes un peu plus triangulaires, et bien j'ai eu énormément de mal à le refaire en stream avec une interface améliorée, des graphismes améliorés, des contrôles améliorés. J'en ai chié, faut dire ce qui est. Voilà, je sais pas. C'est peut-être l'âge, hein, c'est peut-être l'âge, je sais pas. Ah, 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 oui! Non? Oui? Ah! Enfin! Ça, c'est intéressant. Niveau 2. Qu'est-ce que c'est que ce niveau? Attends, j'ai besoin d'une visualisation du niveau. Le départ, il est là, à gauche. Donc à droite, maintenant. Petite montée.
en pente avec ok, petit angle, une marche, et après faut se débrouiller. Soit faut passer au-dessus, soit faut passer en dessous. Enfin, mais si on passe en dessous, on peut pas remonter. C'est pas possible de remonter si on passe en dessous. À moins de faire demi-tour et de revenir là, ce qui est complètement nul. Mais ouais, c'est pour les farmers du 100%. Sinon, on est obligé de passer par en haut. Ça, je vais supposer que ça bouge, sinon c'est pas drôle. Les trucs rouges là. Et après, ouais. C'est un jeu tranquillement, mollo, prudence. Ok. C'est là où on est plus sérieux. Ouais, c'est ça. Je l'ai senti méchamment en juste quelques années à quel point ça s'est dégradé. Mais en vrai, ça doit être ça. Hop là. Le seul jeu qui me rassure un peu, enfin, c'est pas vraiment un jeu, mais c'est le programme d'entraînement cérébral du professeur Kawashima. Alors je dis pas qu'il a écrit 20 ans tout le temps, c'est pas vrai. Il a pas écrit 60 ans dessus non plus. C'est assez compliqué. Allez, ça commence bien, j'arrive pas à passer le premier obstacle. Entre 40 et 49, il y a un cap qui fait mal. Il ne tarde pas. Après, sans rire, le jeu vidéo en lui-même, n'importe lequel, ça permet de garder et de continuer à améliorer certains réflexes et certaines manières de réfléchir. Donc, dans un sens, le jeu vidéo nous permet de vieillir moins vite. S'il n'y avait pas le jeu vidéo, ce serait pire, je pense. Punaise, ça bouge mais à fond en fait. Non ! Oh, l'angle, le rebord, la rambarde. La réflexion, ça va, c'est la rapidité qui fait défaut, le mouvement instinctif entre la tête et l'ordre main. Ouais. Ah ouais, il y a pas mal de choses, ça c'est vrai, je suis complètement d'accord. Mais pas, en tout cas pour mon côté, pas que pour le jeu vidéo. Des fois, sur des activités manuelles de bricolage, des fois je me dis, mais qu'est-ce qui se passe quoi. Pareil, j'ai de plus en plus... Alors, bon, après ça, je pense que c'est de famille, mais j'ai de plus en plus de mal à écrire. Je n'arrive plus à tenir correctement un stylo. J'écris encore plus mal qu'il y a quelques années. Hop là. Et je suis quelqu'un qui, dans la vie, de plus en plus... Allez, niveau terminé. Je tremble énormément, en fait. Et ça ne m'aide pas pour écrire. C'est pour ça que je galère beaucoup à écrire. À la main, en fait. Parce que, voilà, c'est de famille. C'est un truc tout con, hein. C'est pas grand-chose, mais ouais, c'est le syndrome de Raynaud. Et j'ai les mains tout le temps froides. Bon, les pieds aussi, mais ça on s'en fout. Et du coup, les articulations prennent très cher. Donc tout ce qui est activité manuelle et écrire, j'ai beaucoup, beaucoup de mal de plus en plus avec le temps. C'est le manque de pratique. On prend plus l'habitude d'écrire au clavier. Ouais, ouais, après oui, c'est sûr qu'au clavier, ouais, c'est clair. J'écris beaucoup mieux en termes de rapidité. Ouais, pour moi, c'est le clavier le plus simple. Non, non, pas Parkinson, non, non, non. J'espère pas, hein, pas encore du moins, je ne pense pas. Il me semble pas qu'il y ait ce cas-là dans la famille non plus. Non, 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 juste le syndrome de Raynaud. C'est pas bien méchant, c'est juste chiant. C'est tout. C'est quoi ce niveau? C'est quoi ce niveau? J'ai pas compris. Mais il y a une pente là. Ou alors faut aller jusque là, descendre. Ah ok, legit, d'accord, faut faire vraiment un 8. En legit, faut faire un 8. Et après... Oh, et après c'est en diagonale. Mais ils ont fumé quoi, ceux qui ont inventé ce jeu? Au secours quoi. Syndrome de Raynaud, ouais c'est ça. Allez on trace. Oh punaise, il y a un truc à faire en traçant. J'en souffre aussi, mais je ne tremble pas. Ouais, c'est chiant le syndrome de Raynaud. Vraiment. J'essaye de garder du coup une activité manuelle pour faire travailler les mains. Notamment, je suis tout bête avec des élastiques.
sur pas grand chose. Ça me permet d'avoir quelque chose dans la main parce que je pas être inactif. En plus. Mais par contre, j'essaye de bricoler un peu plus quand même, même si c'est galère. Oh, il y avait un truc à faire. Et niveau cuisine, je cuisine quand même plus maintenant. Alors certes pour bien mieux manger, ça c'est clair, mais aussi pour garder une activité aussi à ce moment-là manuelle. Utiliser des ustensiles, etc. Oui, non. Bon, en traçant, il y a vraiment un truc à faire, c'est juste que les déplacements sont assez random sur la fin. Allez! Mais c'est pas possible. Ready go! C'est pas le moment de d'afficher ce truc à l'écran en pleine vie, enfin vie là. Je m'en fiche. Ah, ben là j'ai fait n'importe quoi. N'importe quoi. Pff, 0 sur 20. Je peux pas le faire en legit, sinon je vais y en a pour jusqu'à demain. Je suis obligé de tracer et d'espérer que ça retombe bien sur le rebond au bon moment. Sinon c'est galère. Le jeu est galère. Oui, arrêtez de m'afficher des trucs à l'écran. Oh, voilà, du coup j'arrive pas à la fin. Je m'en fiche de gagner des vies. Les game over sont infinis. Vous pouvez même m'enlever le nombre de vies, ce n'est pas grave. Je m'en fiche. Et voilà, niveau terminé. Là, ça passe. Allez, niveau suivant. Ah là là. C'est quoi ce niveau? Où suis-je? Je suis à gauche. Plateforme. Cylindre. Je vais supposer que les cylindres tournent et se déplacent. Du coup, à... Ok. Ensuite, faut retomber là. Petite montée. Terrain plat. De nouveau un cylindre. Alors, cylindre, cette fois, par contre, perpendiculaire et non plus parallèle. Hop là, caméra, s'il vous plaît. Et là... L'arrivée, elle est sur le cylindre dans ce sens-là. Mais c'est pas... Oh là là, ça me... Zut, hein, voilà. Salut Pierre827, bienvenue. Bienvenue sur la petite chaîne d'Ivasan Studio, une petite association qui aime faire de la radio, qui aime faire du jeu vidéo, et qui aime essayer de pas mourir en jeu, mais bon, ça, c'est plus compliqué, d'ailleurs. Et pour ma part... Je me nomme Jay. Nous sommes plusieurs, mais en ce moment c'est moi qui suis à l'antenne, comme on dit. Et j'ai eu le malheur de me dire il y a quelques semaines, et si je jouais à Super Monkey Ball? Et vu que j'aime terminer les jeux, alors pas forcément à 100%, ça dépend lesquels, certains oui, d'autres non, eh bien voilà, têtu, je me dis, je vais finir Super Monkey Ball. C'est pas une bonne idée. C'est rigolo. Je vais passer le temps, mais c'est pas la meilleure des idées que j'ai eues. Ah mais il faut que je tourne à gauche, oh là là. Il a l'air un peu rageant. Ouais ouais, il est hyper frustrant. Hyper frustrant. Bon, pour le coup là, mon personnage c'est Sonic, mais c'est parce que c'est une licence Sega. C'est juste un personnage bonus, sinon les vrais personnages ce sont des singes de toute façon. C'est le nom même du jeu, Super Monkey Ball. Des singes dans une boule, comme des hamsters. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. D'accord. Horrible. Horrible. Ready go. Ok. Et là, c'est galère. Ces deux cylindres, j'ai l'impression qu'ils ne tournent pas du tout dans le même sens. Hein. D'accord. C'est sur quoi comme console? Alors, à l'origine, Super Monkey Ball, enfin à l'origine, Monkey Ball, c'est une licence qui était sur arcade. Hop là. Puis ça avait bien fonctionné, du coup ils se sont dit, tiens, si on sortait ça sur console. Donc ils ont sorti plusieurs opus. Ce jeu-là, Super Monkey Ball Banana Blitz, à l'origine, était sorti sur la Wii en 2006, si je ne me trompe pas.
et il a été réédité en 2017 sur la Switch. Donc là, actuellement, je suis sur la Switch. Néanmoins, le jeu existe sur Steam, donc sur l'ordi, et je crois qu'il y a bien une version PlayStation et Xbox de toute façon. C'est une licence Sega, c'est pas, voilà, c'est pas une licence Nintendo, on est vraiment sur une licence Sega. Et Sega, ils ont pas de console spécifique. Enfin, plus, du moins. Ok, c'est avec plaisir. Horrible ce niveau, horrible. Mais j'y arrive pas là. Là, il faut vraiment que. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Oui, je continue. Parce que. Oh, faut que je temporise. Sérieusement? Faut pas que je parte maintenant en fait. Faut que j'attende. Et que j'y aille maintenant. Ah, c'est vicieux. Ah oui, faut que je vise mieux, mais c'est vicieux. Ça, c'est clair. Alors, on attend. On attend. On trace. Ouais, alors c'est d'accord, on va pas tracer de suite. Il faut encore plus attendre. Encore plus attendre. Je dirais maintenant. Oui, 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 oui. Oh yes, plateforme numéro 2. Première fois. Étirement. Déjà ? Oh, tu me diras, ça fait toujours du bien de s'étirer. Non, je suis tombé. J'ai vu une plaque de vitesse et je suis tombé. Je m'étire juste après. Pour l'instant, ça va. Mais oui, il faut avoir le réflexe de... Quand on passe trop de temps sur la chaise, le fauteuil, ce que vous voulez, le canapé, il faut penser à s'étirer les muscles. Pas sans... Côté. Sinon bonjour les hernies discales et les sciatiques, et ça je sais de quoi je parle. Stop Sonic, stop Sonic, ça suffit. Ok, on y va. Mais voilà, il y a un coup que j'ai pris, je pense que c'est le petit rebord rouge qui m'a embêté. On peut pas skip, on peut pas tracer sur ce niveau, c'est vraiment, on est dépendant des mouvements du décor. Oui, non, oui, non, oui, oui, si, si, en fait c'est bon. Ok, alors maintenant, j'ai quoi? J'ai un totem qui m'embête, il y a une plateforme de vitesse, c'est vicieux cette plateforme de vitesse. Allez, tranquillement. Stop, stop, stop. Non! Et en fait... obligé de traverser là en vrai. Sonic, on se calme. Je pourrais très bien rester sur le jaune, rebondir sur le... Oh punaise, c'est vrai qu'il y a le chrono. Et après rebondir sur le bleu, mais le bleu clair. Mais le truc c'est que l'arrivée tourne. C'est vicieux. On attend. On attend. Allez go. Tranquillement. Et là j'ai raté. J'ai raté, mon saut était pas bon du tout. Déjà j'ai sauté de trop loin et en plus j'ai sauté à côté quoi. Allez go. Je crois que ça va faire partie des niveaux sur lesquels je vais passer le plus de temps. On se souvient du niveau 2 de la lave, du monde de la lave. Une heure dessus. Une heure. Oui. Ah mais non, mais du coup il est... J'arrive plus.
comment faire. Même en traçant, c'est pas... Si, en traçant, il y a moyen de faire un truc, mais alors par contre, faut pas se tromper dans les sauts, quoi. Impossible de se tromper dans les sauts. Non, remonte, Sonic. Sonic m'énerve. J'ai bien du courage quand même avec ces jeux frustrants. Ouais. Le prochain, je pense que... La prochaine série est vraiment longue en stream. Je pense que je vais faire un jeu pour genre Adibou, hein, quelque chose comme ça. Parce que... Non, non, je ne fais pas Adibou. Ah! En vrai, je sais pas quoi faire en prochaine série. Demain soir, il y a du Mario Golf en... Pour terminer tranquillement les sessions Mario Golf. Sachant que je vais prendre une pause en août quand même. Qu'est-ce que je peux lancer la semaine prochaine et la semaine d'après en jeu que je peux terminer en 2 semaines? C'est une bonne question ça. Non, 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 panique, panique, panique. Voilà, j'ai paniqué. Donc je pense aux heures que j'ai passées sur les divers Sonic. Ouais, et encore, les Sonic d'origine. Puis bien plus tard, les Sonic Mania. Alors c'était du challenge. Mais en vrai, ça va. Les Sonic, entre-temps, ce sont des horreurs. Ce sont vraiment des horreurs. Oh là, Adibou. Oui, non, non, je disais ça pour rigoler. Ça reste un super jeu éducatif, mais non, non, c'est pas Adibou. Les jeux les plus longs tels que les Survival, MMO et autres RPG, pas intéressé pour le stream. C'est pas que je suis pas intéressé, c'est que mon ordi ne veut pas. C'est pas pareil. Mon ordi, en dehors de la Switch, mon ordi, il a 6 ans maintenant. Ma carte graphique, pour te dire, c'est une 960, si ça te parle. Donc je ne peux pas faire tourner grand chose. J'aime beaucoup passer du temps sur World of Warcraft, ça vous le savez à force. Mais je ne peux plus aller dans certaines zones de WoW parce que mon ordi ne veut plus. Yes. Donc ouais, les gros jeux comme ça, c'est pas l'envie qui manque. Mais voilà. Mais non, par contre, on m'a déjà souvent dit mais viens sur Ark et tout. Non, non, je viendrai jamais sur Ark. Je regarde du Ark de temps en temps sur des streams, mais non, vous ne verrez jamais sur Ark. Ça, c'est mort. Et WoW est déjà beaucoup trop chronophage, j'ai pas envie de repasser sur un jeu encore plus chronophage. Même FF14, j'ai pas voulu. Alors que pourtant il m'intéresse énormément. Oui! Non! Oh dommage. Chez moi, l'ordi est le bijou le plus cher, c'est la priorité. Ah oui, mais bon. Pour l'instant, je vais attendre. Je verrai à Noël ou au printemps prochain peut-être pour changer l'ordinateur. C'est un portable en plus. Parce qu'à la base, je me déplace beaucoup. Mais plus ça va, plus je reste, au final je reste chez moi. Le prochain sera certainement un fixe, non pas un portable. Après... Oh oui, non! Oh dommage. En traçant, ça passe. Après, j'aime beaucoup ma Switch. Ça, je suis vraiment très content de la console. Elle a pas des performances de ouf, ça c'est clair. Mais l'idée même d'avoir inventé la Switch, je la trouve juste géniale. Il y a des défauts dessus, et bien sûr, les performances, les Joy-Con sont nuls. C'est pour ça que je joue à la manette. Et la Switch... vraiment... Par contre, la bêtise de nous sortir une Switch OLED sans aucune performance en plus. Ok, il y a du son amélioré, ok, l'écran il est plus joli.
Ok, il y a un peu plus de mémoire, ça c'est vrai, c'est un argument. Ok, il y a un port Ethernet. Mais niveau performance, il n'y a rien de plus. Du coup, non, clairement non. La Switch OLED pour moi, c'est pas un boycott, mais clairement non. Ça m'intéresse absolument pas. Allez! Ouais, j'y arrive pas. C'est pas le même genre. Non, c'est sûr, Ark, c'est pas le même genre. Bah, à la limite, attention, c'est une exagération. À la limite, si je jouais à un jeu de survie, ça serait de Minecraft. Enfin, retourner sur Minecraft. J'ai eu mes années Minecraft, je suis pas retourné depuis très longtemps. Mais c'est vrai que ça m'intéresse. Oui! Non, mais j'arrive pas à sauter, c'est pas possible, hein! Moi, je vais pas l'acheter, parce que... Non, la Switch OLED, faut pas l'acheter. Hein. En vrai, on sait qu'il y a une Switch 4K Pro, qui est sur les rails. Faut attendre. Hein. L'idée de la Switch OLED, je sais pas ce qui est passé dans l'esprit Nintendo. Hein. Soit ils sortaient la Switch OLED dès le départ, et là, dans ce cas, ok, d'accord. Mais là, on est déjà à la Switch version 3, en vrai. Hein. Celle que j'ai, c'est je l'avais acheté jour 1. Très rapidement, ils nous ont sorti une Switch V2 avec un peu plus d'autonomie parce que tout le monde râlait. Bon, moi, elle est surtout sur le dock et donc sur la télé, donc je m'en plains pas. Mais l'idée de la Switch OLED, c'est une opération de communication, mais même si c'est une opération de communication ratée. C'est pas intéressant pour un Switch. Allez, j'y arrive pas, mais ce niveau, c'est là où en fait, ça aurait été intéressant d'être sur émulateur, pour avoir des save states, et reprendre au point où j'ai envie dans le niveau, une fois que je l'ai atteint. C'est de la triche, mais sur émulateur, sur les jeux de ce type, c'est très intéressant. Tant pis. Radigo. Non, demi-tour. Et là, je vais me tomber. Ah non, je me suis rattrapé. Toujours pas. On y va. Tranquillement. Je pense que je vais y aller avec un autre personnage. Qui c'est qui pourrait être intéressant, là? Un personnage léger. Qui rebondit bien. Mais sans trop de vitesse. Peut-être le singe fille. J'ai absolument pas retenu les noms des personnages. Je pense qu'au prochain Game Over, je change de personnage. Ok, alors ça c'était pas prévu dans mon programme, mais bon, on va pas s'en plaindre. Si je skippais ça, comme ça, voilà. Hop là, on prend pas les boosts, surtout pas. Attention au totem. Voilà. Bien, maintenant on tourne. Oh non, mais hurry up, 10 secondes, t'es gentil le jeu, mais... Et voilà, avec la pression, j'arrive pas au bout du tuyau jaune. Et l'arrivée, le pire dans tout ça... Non, je change de personnage. L'arrivée tourne. L'arrivée n'est même pas un point fixe. L'arrivée tourne. Comment est-ce que vous voulez que je fasse ça? Sérieusement. Alors, Sonic, il est en 5 en vitesse, 4 partout. Non, 3 en taille et 3 en vie. Toi, non. Trop de vitesse, pas assez de saut, pas assez de rebond. Toi, on faisait pire. Toi, c'est intéressant. Ouais, du coup, je vais prendre Yan. Ready.
Donc, voilà, j'ai changé de personnage, donc ce ne sont plus les anneaux de Sonic, mais bien des bananes. Hein. C'est le principe du jeu. Super Monkey Ball. Super Singe. Boule. Balle, comme vous voulez. Ah, ah oui, les rebonds sont déjà plus intéressants. Les rebonds sont plus intéressants. Bon, maintenant, faut essayer d'avoir un truc que j'ai pas en magasin, qui s'appelle le skill. Ok, ça déjà, en termes de déplacement, ça m'a plu. Et maintenant, ah, trop bien. Je pouvais, d'accord, ok, je peux rebondir directement sur le bleu. Donc le tuyau jaune, en fait, le jaune, je m'en fiche. Il faut juste que j'arrive à temporiser sur le dernier tuyau et tourner correctement pour arriver face à l'arrivée, justement. Et sinon, ouais, faut la faire du premier coup. Sinon, bah, je tombe dans le vide. YOLO! Et là, par exemple, je tombe dans le vide parce que j'ai sauté trop tôt. Beaucoup trop tôt. Comme l'âne. L'âne trop tôt. N'importe quoi. Allez, go. Ah non! Faut que je parte plus tôt encore là. Mais là oui, là là, soit plus tôt. Ready? Go! Stop, 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 stop. Maintenant. Oui, oui, non. C'est dommage. C'est dommage. Il y avait un truc intéressant. Il y avait un truc intéressant. Ok, on patiente. Là, stop, on ralentit. On patiente. On patiente. Maintenant. On trace. On va jusqu'au bout. On saute. On prend l'élan. Non, rebondit. Ça peut rebondir et non, c'est à côté. C'est à côté. Ready? Go! Ok, on reprend. Stop. On se pose ici. On attend. On attend. On y va. On y va, on y va, on y va, on y va. Et oui, et on n'y croit pas du tout. On n'y croit pas. On n'y croit pas. Ready? Go! Ok. Go. Allez. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Non, oh, je suis bloqué entre deux tuyaux et j'ai pas du tout compris ce qui s'est passé. Mais pas du tout. Radigo, est-ce qu'en traçant ça passe? Allez. Non, ça passe pas. Avec Sonic ça passait, mais c'est normal, il y avait plus de vitesse. Mais avec elle, non. Donc, tracé ne fonctionne pas avec cette petite singe. Stop. Maintenant, mais si j'arrive à rebondir, en fait, donc j'ai pas rebondi, je suis tombé dans le vide. Et oui. Ready? Go! Jusqu'au bout. Oui. Non, mais non. Je l'ai un peu trop vite parce que l'arrivée
elle tourne lentement en fait. Est-ce qu'on la voit au bout là-bas? Non, j'arrive pas à voir. J'arrive pas à voir la vitesse de rotation du dernier tuyau bleu. Zut. Ça m'aurait été bien utile. Mais surtout qu'en plus, quand je me mets en observation de niveau pour tenter d'analyser des trucs, comme genre maintenant, voilà, ça ne tourne pas. Du coup, je ne peux pas savoir à quelle vitesse de rotation ça tourne. Et oui. Très joli décor. Joli dessin. Go. Je sais pas si c'était un go intéressant. Si, quand même. Oui, j'ai dit oui, c'est intéressant. Allez. Ah, 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 ah. Non, je l'ai touché. J'ai touché l'arrivée. Bon, c'est du mieux. Mais c'est frustrant. J'ai touché l'arrivée, quoi. Presque, ouais. Ah non, non, non. Radigo. Go. Oui. Non. Ah, le rebond! Le rebond m'a sorti dehors. Quoi. En même temps, il allait pas me sortir dedans. C'est un peu comme monter en haut et descendre en bas. Oh. Oh. Ouais, bon, là j'ai fait n'importe quoi. N'importe quoi. Oui, oui, continue. Ready! J'ai peut-être mis du temps là par contre. Saute. Saute. Non! Non mais sérieux. En fait, il y a les devs, ils sont derrière le jeu. C'est eux qui font tourner les cylindres. Et ils se disent, moi, celui-là, il n'y arrera pas. Vilain dev. Vilain Sega. Oula, le totem. Stop, ralenti. Tu ralentis. Tu t'arrêtes. Tu tournes. Tu prends la banane. Ça, allez, ça te fait plaisir. Voilà, tu vas là, tu sautes, tu sautes, tu sautes. Pareil. Ce n'est pas le dernier monde pour rien. Ouais. Et encore, techniquement, l'histoire du jeu est terminée. Parce que on a déjà eu le boss de fin, il y a déjà eu les crédits. C'est juste que le jeu s'est dit, tiens, et si on offrait un personnage supplémentaire avec des mondes supplémentaires pour faire un peu plus de durée de vie du jeu. Et ouais. Il y a encore un personnage caché en plus. Je rigole pas. Mais celui-là, je ne pourrais pas l'avoir. Ce n'est pas possible. Pour le débloquer, parce que ça, je me suis renseigné. Pour débloquer ce fameux personnage caché, il faut faire tous les niveaux à 100%, c'est-à-dire récolter l'intégralité des bananes sans mourir. Sans mourir. Voyez combien de fois je meurs juste sur ça. Si en plus il fallait attraper toutes les bananes,
Sur tous les niveaux, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Donc le 100%, hein, je suis désolé. Mais pour ma santé mentale, je vais éviter. À rester un minimum sain d'esprit. Non, punaise, je suis tombé sur la gauche. J'imagine les speedrunners sur ce niveau. Non, les speedrunners en vrai ils sont super bons. J'ai regardé des speedruns Super Monkey Ball entre temps depuis que j'ai commencé l'aventure, juste par curiosité. Ils sont super bon et je me dis mais ça a l'air tellement simple quand c'est eux qui jouent, tellement simple. Et en fait voilà, c'est 100 fois plus difficile que le grand malade, j'avoue. Enfin oui. C'est surtout que c'est chronophage le grand malade et que c'est répétitif quoi. En vrai. Oui, oui, oui. Non, 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 non. Oui, peut-être. Non, je sais pas en fait. Oh là, oui, non, je sais pas. L'arrivée. Oh, raté. J'ai paniqué. Je crois que ça s'est pas vu. Ah mince, j'ai arrêté le tuyau. Ouais, celui-là, je l'ai raté, je suis parti trop tard. J'assume. Mais comment vous voulez attraper toutes les bananes sans mourir? C'est pas possible. Enfin, je suis désolé, mais. Je me suis raté. Impossible de se rattraper. Impossible. C'est une horreur. Non. C'est pas normal que je parte sur ce côté, hein. C'est pas normal. Zen. Oh, ça va, Zen. Oui. Non. Pardon. Go. Ah oui, d'accord, oui. Je sautais dans le vide, c'était pareil. Hein. J'ai sauté de beaucoup trop tôt. Est-ce qu'à un moment donné, je peux atteindre la plateforme de manière un peu plus régulière? Ce serait déjà une meilleure avancée. Ouais, non, mais là. Là, c'est le rebond sur la plateforme qui m'a tué. Alors, attendez. Expérience. Ouais, il y a bien un rebond que je ne contrôle pas, c'est bien ça. Go! Voilà, trop tôt. Continue. Waouh, j'ai pris des bananes. Ça sert à rien. Ça me fait penser qu'il faut que je mange mes bananes que j'ai chez moi. Sinon, elles vont mûrir trop vite. Des gâteaux.
Ah oh, punaise, faut que je fasse un gâteau ce week-end. Un gâteau à la banane et aux pommes. Ouais. Pommes banane. Oui. Non. Non, non, non. Eh hey, oh, oh. Oh, zut. Ready. Oh. Stop. Go. Bon, j'y arrive plus. Court, hein. Go. Oui, non, la plateforme, allez, allez, allez. Mais rageant parce que j'ai touché l'arrivée tout à l'heure quand même. Allez, oui, non. Ouf. Plateforme, ok. Il y a le totem là qui m'embête. Allez, go. Non. C'est même plus au niveau de skill, il y a aussi une part de chance. Tellement je suis mauvais. Voilà, le même rebond que tout à l'heure. Le même. Le même. Ready. Oh. Trop tôt, j'ai pas réfléchi, et là je tombe dans le vide, c'est gratuit. Sauter. Mais non, mais le rebord rouge, quoi. Totem. Punaise! Mais c'est déjà assez difficile comme ça. Ils sont dit non, on va mettre un totem en plein milieu. Juste là. Et là, un petit géranium. Ben, c'est la même chose. Go. Stop.
l'arrivée vient de passer au-dessus. Faut attendre. Ok, go. Comment j'ai fait tout à l'heure? Je suis passé plus à gauche ou plus à droite? Je crois que je suis passé plus à droite. Hein. Ouais, ok, d'accord. Alors, quelque chose comme ça, mais sans prendre l'angle. J'en étais sûr que j'allais me prendre ce totem. Non, c'était pas go. C'était pas go. Allez, c'est parti. Trop de pas à gauche. Et rebond encore une fois. Mais au moins j'ai touché l'arrivée avec elle. Sinon je prends qui en personnage en dehors d'elle? Le bébé? Peut-être qu'avec le bébé. Obligé d'attendre. Allez, c'est parti. Petit rebond. Ah voilà, ça c'était intéressant ça. Ah ah. Oh oui, enfin. L'arrivée. Oh punaise, enfin. Ah.
Tu m'offres une gorgée d'eau en récompense parce que je suis fier de moi. Voilà. Merci pour les GG, bien sûr. Ne dépense pas tous tes points, Draken, garde-les. Même sans les points, je bois de l'eau et je m'étire. Vous en faites pas. Ah, le niveau bonus. Que je vais pas terminer du tout. Non, mais ça tourne et tout. Oh, voilà, j'ai eu une banane. C'est bon, fin du niveau bonus. Allez, niveau suivant. Alors, oula. Ouh. Oh non, c'est le retour des triangles. Non. Punaise, c'est comme le niveau 2 de la lave. En pire. Va falloir sauter partout. Oh là là. Pardon, veuillez m'excuser. C'est l'allergie au niveau, je crois. Allez, go. Ah, ils sont plus hauts, ceux-là. Ok, stop. Et là. 2, 3. Non! Bon, j'arrive à la moitié du niveau. C'est déjà pas mal. Et l'idée, c'est d'arriver à la fin, pas à la moitié, quoi. Allez, stop. Raté. Ready, go. Ok. Et raté. Les verts sont presque plats. Les jaunes ont une pointe moyenne. Les rouges sont les pires. Et là je tombe. Ah non. Le tempo s'il vous plaît, merci. Temporiser. Ouais c'est ça, les rouges ils ont une pointe plus... plus pointue. Et voilà, parce que j'ai pris la pointe en plein milieu. Ready, go. Non, les rouges, non. Faut pas que je touche les rouges. Enfin, je n'aurais pas le choix. Donc, voilà, j'ai... Suicide. Ready, go. Ok. Oula, oula, oula. Stop. Ah, et c'est là où ça me pose problème. Hein. Regardez la caméra par là. 1, 2, et non, même pas 2. Même pas 2. Stop. Ok.
Non. J'ai essayé de sauter, j'ai pas réussi. Paradis suprême, mais fait, c'est un niveau infernal. Infernal. Punaise. Il y a l'idée, ouais. Non ! Non ! C'est un jeu très géométrique, hein. Après les cylindres, maintenant c'est le retour des pyramides. Qu'est-ce qu'on va manger après? Des dés qui tombent sur eux-mêmes? Comme dans le niveau de la pendule tic-tac dans Mario 64. 1. Raté, j'ai même pas fait 1. Il faut y aller rapidement sur les trois plateformes. Stop. Mais si je vais trop vite, je ne contrôle pas du tout la direction. Ou alors, il me faut un singe poids lourd. C'est une idée. Mais en quoi cette... Non, l'écart il est le même entre les plateformes. Pourquoi je tombe entre les deux? Pourquoi le saut va si loin? Ah ok, d'accord. Oula. C'est pas passé loin là. Ce n'est pas passé loin du tout. Hop là. Oh dommage. Mais c'est encore plus fin le truc en plus sur le... Ah non, non, c'est même pas, c'est aussi épais en fait. C'est aussi épais, c'est juste que je suis nul. Mais bon, ça on savait déjà. Là on est sur une épaisseur de 4. Et là on passe sur une épaisseur de 3. 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, et après j'arrive pas à voir. Donc tant qu'il y a du rouge et du jaune ensemble, c'est une épaisseur de 3. Ah, ben là, j'ai pas fait. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant, un caractéristique, pour que je prenne le bon personnage? Celle-là, elle est pas mal, hein, j'aime bien. Mais les sauts qu'elle a ici me dérangent.
Après, la stabilité est pas mal. Je pense qu'il faut vraiment que je prenne un singe poil lourd. Non, dommage. Oh, dommage. Peut-être prendre Zoré. Sonic, je pense, ça va être une horreur. Sur ce niveau-là, Sonic... Ah oui, d'accord, c'est gratuit. Sonic, je pense que c'est une très mauvaise idée. Non! Continue. Allez, on va prendre un autre personnage. Qui c'est qu'on va pouvoir prendre? Alors, le docteur, non, sûrement pas. Autant prendre Tony. Mais tu sautes pas trop, toi. T'as pas trop. Ouais, on va prendre Gun. Je pense que Gun, il peut être intéressant. Ah, punaise, c'est vrai qu'il a une taille assez grande. C'était peut-être pas une bonne idée. Oh là là, ce rattrapage. Ah ouais, non, c'était pas la bonne idée en fait. Il est beaucoup trop grand. Ah, il est trop grand. Punaise. Ah ok. Ah, on a touché. Ça a été touché. Il y a peut-être un truc. Non, non, pop, doucement, doucement. Non! Oh punaise! Premier triangle, les premières pyramides, ça va, mais après là, c'est une horreur, c'est vraiment une horreur. Oh non! Il y a une idée, encore une fois, mais...
Non. Bon, ce personnage ne me convient pas. Je vais repartir sur Ai, le tout premier. On va voir. Hein. Ah, j'ai appuyé sur B sans faire ça. Ah, il saute trop loin. Bon, j'ai réussi à faire deux rebonds. Enfin, deux rebonds, deux sauts. Deux plateformes. C'est pas mal. Je suis en train de me rendre compte d'une réflexion là, attendez. Mais c'est pas le singe que je contrôle. C'est le décor. Je contrôle l'inclinaison et l'amplitude du décor. Je ne contrôle pas le singe. Je contrôle le décor pour faire rouler le singe. Mais le singe, je ne le contrôle pas en fait. Ça a été codé de cette façon là. Mon Dieu, c'est la révélation. Eh oui. Je suis choqué. Tu savais pas. Bah, je sais pas, des fois j'ai une illumination. Ah si, il n'y a que le rebond du singe, que le saut du singe que je contrôle. Ouais, il n'y a que le rebond, il n'y a que le saut que je contrôle. Le reste, je suis persuadé que c'est le décor. Ça, c'est trop... Les déplacements sont trop spécifiques. Voilà. Panique. Non. Ah oui! Oh, il y a une amélioration! Stop! Stop le singe! Il y a une amélioration, je suis en record battu pour le moment. Par contre, j'aimerais. Cette taille là, voilà. Oh! Oula, ça va être dur ça. Ouais. Ok. Ready? Go!
Et non. Continue. Ready? Go! Ah punaise. Continue. Ready? Go! Tellement difficile. Voilà. Continue. Ready? Il est pire que les cylindres à ce niveau, vraiment. Hein. Vraiment pire. Tenter quelque chose, c'est passé, ne me demandez pas comment. Et à partir de là, je n'y arrive pas. De toute manière, il y a le rebond. Comment vous voulez que j'avance sur ces plateformes? C'est affreux, quoi. Une fois que je vais sur les rouges là-bas, je pense que c'est bon. Mais il faut passer les 4 plateformes carrées. Comment les passer, quoi? Yeah.
Ready? Go! Continue. Ready? Go! Voilà. Rebond, rebond encore, rebond plateforme, plateforme, j'ai dit plateforme. Stop. Voilà. Oh punaise. J'arrive pas. Bien géré, merci. Mais les quatre plateformes carrées. Pas zoomer plus. Elles ont le même écart. Ouais, elles ont bien le même écart. Non, là. Non, entre le rond et le premier carré, c'est plus petit. Il y a moins d'écart. Après, c'est des écarts constants. Quoique. Si, si, je pense que c'est ça. Et après. Je frôle la deuxième carré. Après, comment faire? Je ne peux pas temporiser, ce n'est pas possible. Et je vais manquer de temps après. Bon, là, je peux y aller. Oh punaise, c'est un chemin de deux en plus ensuite. Sur du rouge. Faut qu'ils arrêtent. Hein. Bon, et après, là, une fois que je suis sur la plateforme ronde, normalement, ça devrait être bon. Mais alors là. Oh là là. Au secours. Attention. 1, 2, 3. Et non, pas 3. Ah oui, j'ai quand même suicidé aussi. Tant qu'à faire. Allez, jamais 2, sans 3. J'aille un peu plus vite en fait. Parce que je pense qu'il va vraiment manquer du temps si je temporisais sur les plateformes carrées. Et voilà, il me reste déjà 30 secondes. Hein.
1. Il est vraiment difficile à faire le truc ou pas? Ah, oui, oui. Il n'est peut-être pas possible pour moi. Allez. Non.
Hein, mais... Je n'ai même pas sauté là. Continue. Je n'ai même pas sauté. Ready? Go! Voilà, rebond. Et non. Oui, continue. Que les cylindres, ça je confirme. Rebond et non. Je pense que je vais pas aller au bout de la nuit hein, sur son père Monkey Ball. Très bien. Raccourcirai toutes les tentatives ratées comme là, parce que ça fait un moment que je suis sur ce niveau quand même. Et du coup, il y a de grandes chances que la fin du jeu soit en inédite directement sur YouTube et non pas sur Twitch. J'enregistrerai tranquillement en off.
si vraiment je vois que j'y arrive pas, ce qui est un peu le cas là, je n'y arrive pas. Bah oui, oui, tricheur, oui. Oui, j'assume. Hein. Mais de toute façon, les VOD Monkey Ball sont prévus pour... On tient un tableur avec les camarades dans l'assaut par rapport à ce qui va être diffusé, en fait. Ah mais ça va pas tarder les Monkey Ball en VOD en fait. Ça va pas tarder du tout. Parce que le monde dit c'était normalement prévu en VOD YouTube pour le 28 juillet. Et c'est une tous les deux jours, il faut remonter. Donc ça veut dire le 26 c'est le monde 9. Le 24, c'est le monde 8. Le 22, le monde 6. Et après, les deux premières VOD de Monkey Ball, il y a plusieurs mondes dans une seule et même VOD. Si je me trompe pas. Donc ça, vraiment, on s'en rapproche là, en fait. Donc oui, j'enregistre ça rapidement, en fait. Si je veux finir le jeu. Puis l'encoder, puis le mettre en ligne. Programmer, le publier sur le site, sur les réseaux. Allez, 1, 2, raté. C'est comme la fin de The Sexy Brutal. Enfin, la fin. Le jeu a été fait en entier en stream, The Sexy Brutal. Mais, il y a une fin alternative. Et ça, je m'en étais rendu compte trop tard. Donc, il y a eu un enregistrement de 15 minutes en off sur la pour avoir la fin alternative de The Sexy Brutal, qui du coup est dans la dernière VOD de The Sexy Brutal qui va arriver dans vraiment pas longtemps. Là. Je crois que c'est demain ou après-demain la dernière VOD de The Sexy Brutal avec le bout totalement inédit de la fin alternative, si je me trompe pas. Ouais, j'y pense. Continue. On va le mettre en avant. Ready? Go! Non. Re-re-changer de personnage au pire. Pourtant celui-là me paraît équilibré. Mais bon. Stop. Ah la caméra. Il n'existe pas. 1. Deux. Ah t'es pas de deux. Ça change vraiment quelque chose les persos? Oui, 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 ça change quelque chose, oui, oui. Chaque personnage a ses propres caractéristiques. De taille, de poids, de vitesse, de saut, de rebond. Et de vie. Mais alors de vie, je vois pas trop la différence entre chacun. Et pourtant il est censé y en avoir, mais en termes de jeu, ça, en vrai ça ne change pas grand chose. De toute manière, vu tous les game over qu'il y a. Mais sinon, oui, ils ont chacun leurs propres caractéristiques. On est censé pouvoir tout faire avec tous les personnages. Ça, c'est clair. Mais, selon les personnages, ça peut être plus ou moins simple. Là, celui-là, pour ce niveau-là, je le trouve quand même équilibré. Je galère, mais bon, ça, c'est juste que je suis nul. Mais je le trouve quand même équilibré. La singe fille que j'avais au début de ce monde, de ce niveau, elle sautait beaucoup trop loin, je pense, pour moi.
elle était beaucoup trop légère. Après, je suis passé sur Gon Gon, le singe un peu poids lourd. Il avait une meilleure adhérence, mais par contre, il était beaucoup trop grand. Et là, par exemple, je me souviens, entre 4 pics, Gon Gon était sur les 4 pics. Donc ça change totalement l'inclinaison du saut en fonction des pics du sol. Par contre, j'ai pas essayé Sonic encore. Je m'étais dit que ce serait pas une bonne idée en fait. J'aurais peut-être essayé. 1, 2, 1, raté. Bon, je pense que je vais tenter Sonic. Donc là, il a 3 en vitesse sur 5, 2 en saut, 3 en rebond, 3 en taille, 4 en poids, 3 en vie. Gon Gon, c'est lui le plus grand et le plus fort, mais il va pas très vite, il saute pas très très loin. Mimi, c'est équilibré. En vrai, c'est tentant. Ah, il y a peut-être un truc à faire avec ce personnage. Yan-Yan, c'est celle que j'avais au début du niveau. J'ai pas trouvé ça concluant. Baby, il a vraiment pas de poids et j'ai peur qu'il du coup soit trop léger et donc aille trop loin. Le docteur, il a pas de rebond et pas de saut. Et Sonic, il est équilibré, mais... J'ai peur de pas être précis avec. J'essaye Mimi, puis après peut-être Baby. C'est con, enfin, c'est bête parce qu'en vrai il reste 5, 6, 7, 8, 9. Il reste 5 niveaux. Le niveau bonus il a déjà été fait. Honteusement, mais il a été fait. Mais il reste que 5 niveaux. Ça peut être intéressant, ce personnage. Ready, go. Ouais. En fait, je sais pas. Ready. Il y a quand même beaucoup de rebonds, de sauts, il y a beaucoup. Le personnage saute haut. Thank you.
Wow. Ah, j'ai rebondi sur la deuxième plateforme. Pour l'instant, je n'avais pas réussi. Allez. Oh punaise. Ready? Go! Continue. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ça, c'est intéressant. Ça. Je tente. Jaune, j'ai dit pas rouge. Non. Faut pas tenter faire ça sur le début. Enfin, sur le début. La deuxième partie du début. Là, je roule. Très bien. Voilà. En fait, surtout le début, je peux rouler. Hein. Jusque là, je roule. Ok. Je peux rouler encore ici. Encore. Stop. Là, je me positionne. Là, je saute. Je saute. Je saute. Je saute mal. Roule. Hop, on avance, stop, on tourne, on avance, stop, on tourne, on avance, saute, 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 pas saute. Continue. Ready? Go! Non. J'ai même pas atteint la plateforme finale. Oula. Stop. Stop. Sauter. Ah oui, d'accord. C'est même pas sauter là. C'est tombé. Allez tout droit. Allez tout droit. Allez tout droit. Sauter dans le vide. Hop, stop. Hop là, stop. Il n'y a vraiment rien pour skip en vrai. Il y a des niveaux que j'ai pu skip en trichant sur les plateformes, mais alors là, celui-là, je ne peux pas le skip. Il n'y a rien pour skip. Mais non, il n'y a rien. Hop. Hop.
oh, se calme. Stop. Oh. Ah, bah attends. En vrai, non, il y a rien pour skip. Faut pas que je commence à réfléchir. On peut pas skip, il faut respecter. On respecte le niveau. Hein? Oui, voilà, je respecte le niveau, je tombe dans le vide. Là où il y a les bananes. Non, on peut pas. Non, c'est pas possible. Stop. Oh, ça manque de skin, hein. Ready?
Continue. Ready? Go! Je pense que je vais jusqu'à 23h et après. Ah oui, d'accord. Mon objectif c'était d'attraper les bananes. D'accord, je ne savais pas. On découvre tous les jours. L'angle, c'était l'angle. Continue. Je fais un game over toutes les 30 secondes, c'est affreux. Hein, c'est vraiment affreux. Il n'y a pas un record de la personne qui a mis le plus de temps à finir ce jeu. Juste histoire de savoir où est-ce que j'en suis, quoi. Parce que s'il y a un record, je veux bien participer. Hein. Sérieusement, le record des fails. Ah, mais complètement. À l'origine, ce jeu, spécifiquement, a une durée de vie moyenne sur les 10 mondes de 6h37. J'en suis à énormément plus. Énormément plus. On peut dire qu'il y a de l'endurance. L'endurance, je sais pas. De la patience, peut-être. Donc, je suis têtu aussi. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc plutôt que j'aime terminer ce que j'ai commencé. On va dire ça plutôt comme ça. Non, la colonne, la colonne. Ok. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Faut que j'essaie une autre technique. Hein. Vraiment, je trouve une autre technique, ça va pas. Hein. Dernière. Et là ça passe. Ça serait rigolo. Et non. Et non, et non. Bon, bah ça sera en off. Hein. Juste pour savoir, il y a mes stats quelque part. Histoire 2. Où sont mes statistiques? Option peut-être. C'est quoi ça? Non, c'est pas ça. Décathlon contre la montre. Classement.
Ah mais c'est deux deux modes de jeu spécifiques. Non, faudra que je regarde directement dans les paramètres de la console, je pense. Mais je suis facile à 20 ou 25 heures de jeu déjà dessus. Très facilement. Vérifierai tout à l'heure. Eh bien, c'est officiel. Je n'aurais pas terminé Super Monkey Ball Banana Blitz HD en stream. L'objectif maintenant, c'est de le finir en off, histoire d'avoir raccourci un petit peu le temps des fails que je pourrais couper au montage. Ça sera peut-être un peu plus dynamique. Jusque-là, les VOD, jusqu'à là maintenant, ça sera en entier, mais à partir de l'enregistrement, ça sera quelque chose de plus condensé. Parce que sinon, l'ordi va pas aimer. Ouais, bon, bah tant pis. Tant pis pour moi, hein. Je pourrais pas faire ça correctement. Sinon, bah en attendant, je vous retrouve pour ma part sur Iva Sound demain soir à 21h sur du Mario Golf en ligne. Voilà, petit Mario Golf tranquille, beaucoup plus posé, beaucoup plus chill, mais un peu dans la compétition quand même, en ligne avec des randoms. Histoire de passer du temps dessus et voilà, j'avais dit que je le ferai, donc je le ferai demain soir. Et sinon, faudra attendre la semaine prochaine pour les prochains streams qui ne sont pas encore définis ni programmés. La seule chose, c'est que sûr et certain, mardi soir prochain 21h, on sera sur Concept de nouveau, avec plein de monde et les gens... pareil, comme d'habitude, les mardis soirs, vous pouvez jouer avec nous en nous rejoignant sur le Discord. Concept, c'est un jeu de société sur Board Game Arena directement sur navigateur, c'est gratuit. Voilà. C'est du jeu de société en ligne. Et sinon, il y aura d'autres choses la semaine prochaine, mais quoi? C'est une bonne question. Peut-être de l'activité manuelle, on va voir. Passez une agréable soirée. Merci le chat, merci beaucoup, merci Napta. Reposez-vous bien, repose-toi bien. Des bisous, bonne nuit, sûrement à demain. Cordialement bisous.